Bonjour les amis, je vous présente ma cousine avec qui je passe plusieurs jours. Ouais. Je vous présente Lauriana. C'est vraiment ma cousine. Je ne suis pas un fils adoptif, non, non. C'est vrai qu'à côté de sa beauté éblouissante, c'est vrai. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. On vient de vivre un truc un peu bizarre qui pour moi valait vraiment une vidéo. Donc on est à Paris. Lauriana veut passer une semaine avec moi pour voir un petit peu comment se passent mes semaines de dingue en conférence. Tiens, comment t'as trouvé ma conférence? Exceptionnelle. Bon, je te donnerai le chèque après. Donc on essaye d'aller au centre de Paris, on va aller à Montmartre, on va aller voir le Sacré-Cœur. Et donc on voulait prendre le RER. On nous a dit, il y a beaucoup de bruit, c'est des travaux. On nous a dit le RER c'est au bout de la route. Et au bout de la route, regardez, c'est vraiment fabuleux. Vous allez comprendre. Il y a un panneau qui nous indique que le RER, c'est par là. Et alors qu'on nous a dit qu'il fallait aller tout droit. Donc nous, on cherche et on ne trouve pas la gare RER. Donc on a demandé notre chemin et il s'avère que la gare RER, c'est pas du tout là. Et on nous dit non, mais il ne faut pas suivre le panneau. Le panneau, c'est un vieux panneau qu'on n'a pas enlevé, il faut aller de l'autre côté. Mais tout ça pour vous dire que dans la vie, c'est parfois pareil. Dans la vie, parfois, on a des habitudes, on a des routines et on fait vraiment des choses au quotidien qui ne sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Donc, quels sont vos panneaux métaphoriques qu'il faudrait peut-être enlever de votre vie pour que le chemin soit clair? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le passé, nous avons appris à vivre comme nous vivons peut-être aujourd'hui. Et c'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être plus à avancer. C'est que vous restez coincé ou basé sur d'anciennes habitudes. Adaptez vos habitudes. Sortez de vos zones de confort. Vivez aujourd'hui avec votre nouvelle personnalité. Et prenez un autre chemin, faites un autre chemin et ne suivez pas le panneau qui est ancien et qui n'est plus valable. Voilà, donc ça c'est aussi une vision optimiste de la vie. C'est savoir accepter que de temps en temps, il faut savoir changer les panneaux parce qu'ils ne sont plus valables et en créer de nouveaux et surtout les mettre parce que si on cherche la route, on ne la trouve pas. C'est clair. Nous, on va profiter de Paris, c'est une journée libre aujourd'hui. Ce soir, on va aller à un spectacle génial, on a été invité à aller au Cirque du Soleil, on va se régaler. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Et regardez comme elle est magnifique. Bonne journée. Ciao, ciao, au revoir.